de débloquer les places d'hébergement pour les sans-abri. À Strasbourg, 80 lits supplémentaires ont été déployés, 430 en tout, dans le département du Bas-Rhin. Pourtant, les journées sont longues pour les SDF. Chloé Fabre, Tanguy Delormet. D'ailleurs, Patrice. Pour Dafina et ses deux jeunes garçons, cette famille est arrivée du Kosovo en 2013 et depuis un an, leur voiture leur sert de logement de fortune. Alors ce gymnase réquisitionné leur permet un moment de répit. Ils disent que toute la journée, maman, où on doit dormir. Et depuis trois nuits, on dort ici, et il est bien. Je suis pas fou, j'ai bien vu Patrice. Non, BHL TV, ça tourne en boucle. C'est obligé de leur voir. C'est pour débiles mentaux. 75 personnes ont été accueillies ici la nuit dernière. Beaucoup de familles, une dizaine d'enfants. Et René, lui aussi dort dans la rue depuis un an après un problème financier. Et avec les températures extrêmes, le SAMU social lui a trouvé cette solution provisoire. Il y avait les palmiers de la prom, mais c'est tout. Tous ont été accueillis par des volontaires de la protection civile, un accueil, un repas, un soutien aussi. Ils ont aussi une formation de soutien socio-psy, donc ils sont... Heureusement qu'il y a des humains encore.